Bonsoir, mademoiselle. Tenez. Merci beaucoup. Hop, vous êtes la suite de ma collègue. Merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci beaucoup. D'accord, tu es moi. Merci. Bon spectacle. Alors notre rôle, c'est d'accueillir et de placer les spectateurs de manière rapide et efficace. Et donc on est organisé en groupe à chaque porte. Et puis voilà, l'objectif c'est d'aller le plus vite possible, d'être le plus efficace, surtout d'être agréable avec les gens. Et qu'ils soient tous bien installés avant le lever du rideau. Il n'y a pas grand monde. Excusez-moi de vous déranger, il n'y a pas grand monde et je voulais savoir si vous pouviez vous présenter parce que je me sens un peu seul et puis savoir ce que vous faites ici au théâtre. Alors je m'appelle Franck Lignot, je suis régisseur son au théâtre depuis 5 ans et mon rôle c'est d'amplifier et diffuser le son des spectacles vivants. Donc grâce à vous on entend les acteurs, hein, les voilà, acteurs qui ne parlent pas assez fort, c'est vous qui les faites parler, très bien. Et c'est assez subtil parce que comme les sons des fois sont un peu différents, il faut... et les entendre un peu plus fort, et que ça ne s'entende pas dans les enceintes, en fait. Exactement, d'accord. Bon, merci beaucoup. Je vois que vous avez un collègue, je peux aller le voir aussi. Bonsoir. Bonsoir. Si vous dérange, je vous désolé, comme on est seul, je me dis que c'est le moment de parler. Vous appelez comment? Vous faites quoi, vous, avec tous ces boutons? Je m'appelle Philippe Narjolet, je suis régisseur de lumière, ici, depuis 33 ans. 33 ans de lumière, bah, bravo. Donc c'est grâce à vous qu'on arrive à éclairer tous ces beaux spectacles. On essaye, on fait de notre mieux, c'est un travail d'équipe, donc c'est moi qui suis en charge de la régie, mais j'ai mes collègues qui m'aident à installer, à équiper. Je peux être amené à créer ou respecter des fiches techniques, voilà, c'est... D'accord. Et dites-moi, j'ai toujours une question, on voit toujours des grands faisceaux de lumière comme ça qui viennent sur les artistes, on pourrait aller la voir? Oui, bien sûr, pas de soucis. Je crois que c'est par là, oui. Ah oui. Excusez-moi monsieur, je suis désolé de vous déranger, bonjour. Mais j'ai demandé en bas où était cette grande machine de lumière. Pour... Voilà. Comment ça s'appelle ça? Eh ben, c'est une poursuite de marque Aramis, c'est une 2005. D'accord. Donc c'est pour prendre les acteurs, les chanteurs, les danseuses. Donc si je me mets en bas et que je suis... Je peux vous éclairer, soit le visage, soit tout votre corps en plan américain. Et donc je peux me prendre pour une star avec cette tout lumière sur moi? Tout à fait. Je vais essayer, merci. Au revoir. Excusez-moi monsieur, vous êtes un peu seul là sur le plateau, qu'est-ce qui se passe? Je suis tout seul, je suis juste derrière pour faire la mise au rideau, les choses comme ça. D'accord, et donc là c'est le plateau, il est magnifique, malheureusement il est un peu vide. Ouais. Et c'est quoi exactement votre travail en tant que régisseur plateau? Alors le travail d'un régisseur plateau c'est de monter toutes les structures qu'on peut avoir, c'est-à-dire les décors, les concerts, les praticables, etc. Monter aussi des lumières avec le régisseur lumière. Le régisseur son, travailler avec toutes ces corps de métier-là. Donc vous êtes une équipe et vous travaillez vraiment tous ensemble pour créer le spectacle? Toujours. D'accord. Toujours. Bon, on espère qu'il va y avoir des spectacles bientôt alors. Ouais. Vous pourriez me faire un petit plaisir? Ouais. J'aimerais bien juste être derrière le rideau, ouvrir le rideau et juste voir la salle comme ça. Et c'est possible? Bien sûr. Merci.